Réveil FM International, la radio qui vous écoute. Réveil FM International, la radio qui vous écoute. Députés, sénateurs, présidents de groupes d'amitié France-Québec, membres du corps diplomatique et vos équipes avec lesquelles nous avons de fructueuses collaborations, distingués invités, je me nomme Alfred Pilon, je suis secrétaire général de l'OFPQ Section Québec. Madame et messieurs, monsieur le Premier ministre, vous avez demandé cette rencontre. C'est avec joie, c'est avec fierté que nous vivons aujourd'hui ce grand privilège. Comme vous pouvez le constater, plusieurs personnes le souhaitaient aussi. C'est bien sûr un moment consacré aux jeunes participants français et québécois de l'OFPJ. Mais je m'en voudrais de ne pas souligner la présence des membres de l'équipe, tant québécoise que française de l'OFPJ, dont mon homologue Frédéric Lefray, ces artisans d'une relation privilégiée qui se distingue par leur engagement. 45 ans depuis le premier jour de sa création, ou dit autrement, 1,4 milliard de kilomètres de traversée, sans compter tous les pas, tous les progrès à l'intérieur de nos territoires respectifs, cette équipe conserve la même passion pour la mobilité et l'émancipation des jeunes, ainsi que pour la relation privilégiée entre la France et le Québec. Avec nous aussi des administrateurs de l'OFQJ et de précieux partenaires sans qui plusieurs projets ne pourraient pas voir le jour. Mais c'est à vous, les jeunes, nos jeunes, que je m'adresse plus particulièrement. Mon propos n'est pas de démontrer les vertus de la mobilité internationale. Vous êtes la preuve tangible de ces retombées immenses pour vous-même et pour nos sociétés. Je tenais cependant à souligner que cette mobilité est rendue possible, que l'existence de notre office ne sont pas des fruits du hasard. Ce sont les gouvernants, nos élus, il y a 45 ans, qui ont eu cet élan visionnaire et qui nous permettent toujours de soutenir cette ouverture sur le monde. En ces temps difficiles où les besoins excèdent largement les moyens, voilà un acte de foi et une reconnaissance en l'essentielle contribution, votre contribution, la jeunesse, à notre construction sociale. Vous êtes belle, vous êtes beau, vous êtes plein de rêves et d'ambitions, vous êtes ce que nous deviendrons comme société et comme peuple. Madame et Messieurs les Premiers ministres, merci. Madame et Messieurs les Premiers ministres, la denrée la plus précieuse de la prochaine heure est le temps. Cette rencontre vous appartient. Vous la modelez au gré de vos désirs d'échange avec les jeunes. Mais la réalité nous rattrape. Il y a ici une cinquantaine de jeunes, ils auraient pu être cinq fois plus nombreux, qui veulent prendre part à cette rencontre historique. Pour mener à bien ces échanges en fonction des thèmes choisis et du temps imparti, j'ai demandé à un collègue et ami qui incarne à lui tout seul la quintessence de la franco-québécitude. Né d'une maman québécoise et d'un papa français, il a travaillé à Paris, à l'OFQJ, durant 12 ans, et maintenant est à l'OFQJ au Québec. Il m'interdit de dire depuis combien d'années. J'ai demandé à ce toujours jeune homme d'accompagner vos échanges, comme il a accompagné des milliers de jeunes Français et Québécois durant les dernières années. Je cède donc la parole à Thierry, qui vous présentera les règles très simples pour optimiser vos échanges. Bonne rencontre. À toi, Thierry. Merci. Merci, Alfred. Vous l'aurez compris, je considère comme un véritable privilège le fait d'avoir à cœur Fleur de Lysée, bleu, blanc, rouge. Là, je souris parce que je vois Annick Girardin, que j'ai connu en 84 sur le Vermouse, à Saint-Pierre-et-Miquelon, je crois que maintenant, tu es rendu député. Alors, ça me fait vraiment, ça ne m'arrache pas.
Je rentre tout de suite dans le vif du sujet parce que comme Alfred l'a dit, le temps est compté. Je vais essayer de vous présenter comment va se dérouler notre avant-midi. Nous avons donc trois blocs thématiques de 20 minutes. Le premier bloc, entrepreneuriat, création, innovation. Le second bloc, formation professionnelle, insertion socio-professionnelle. Et le troisième bloc, francophonie. Pendant les jeunes ici présents, les jeunes français qui québécois auront l'occasion de se présenter rapidement. Certains d'entre eux auront même l'occasion de parler un petit peu plus de leur projet de mobilité internationale. Et chaque bloc se terminera par une période de questions. Nous inviterons les ministres à poser des questions et à débattre, à dialoguer avec les jeunes. Il y a un petit signal sonore qui, je crois, va apparaître. C'est un repère pour vous indiquer qu'il vous reste à peu près 8 secondes à chaque fois qu'un bloc se termine. Il est bien évident que nous vous laisserons la parole si vous souhaitez continuer à parler. Mais je sais que les agendas, vos agendas sont très pris. Et c'est juste un petit repère pour vous dire, attention, si on veut respecter notre agenda du jour, il est peut-être temps de vous. Alors, je vais tout de suite lancer le premier bloc entrepreneuriat, innovation et création, en demandant à Mariouche Gagné, de prendre la parole pour présenter ce. Merci. Bonjour, mon nom est Mariouche Gagné. J'ai une marque qui s'appelle Aricana et depuis presque 20 ans, je recycle les manteaux de fourrure. Donc, j'ai recyclé surtout des manteaux au Québec, mais j'en ai un peu recyclé des Emmaüs en France. Et j'ai commencé par le volet culturel. J'étais invitée à la Québec Saint-Malo, je suis une fan de voile, à montrer mes créations pour un peu de la vie dans le village de Saint-Malo en 2000. Et une copine à Paris me dit « Écoute, tu devrais passer par le bon marché, je pense qu'ils achèteraient tes créations. » Alors en quelques secondes, je débarque de l'avion, on essaye de trouver un douanier à l'aéroport de Paris. Je finis par arriver au Bon Marché un peu en retard. Et finalement, au lieu de rentrer dans un département, le Bon Marché m'a rentré dans 4 départements. Et ça, c'était en 2000. Depuis ce temps-là, la France est un de mes meilleurs marchés. J'ai des agents dans les Alpes qui vendent Chamonix, Val d'Isère, Méribel. Donc, j'ai fait partie d'un volet culturel au début. Et ce qui était très drôle, c'est qu'à Saint-Malo, quand je suis arrivée après mon rendez-vous avec le Bon Marché avec mes belles commandes, je me suis dit, bon, je ne vendrais pas beaucoup de produits en fourrure recyclée à Saint-Malo sur le bord de la plage. Et finalement, après ma première journée, j'avais presque tout vendu. Donc j'ai vu qu'il y avait un beau potentiel de marché. Et comme premier boulot, j'avais gagné un très grand concours à Paris. J'étais styliste pour le printemps. J'avais plein de bons amis à Paris et c'était le bon prétexte pour revenir travailler. Et finalement, les voyages qui ont été après, j'ai tellement travaillé que je n'ai pas vu assez mes amis en France. Et à partir de cette année, je dois avouer que j'ai une très belle collaboration avec la France, c'est que Rossignol, la grande marque de ski, m'a offert de faire ma collection sous mon nom à moi. Donc, il y a maintenant M. de Castelbajac qui signe une collection pour Rossignol et Aricana qui signe une collection pour Rossignol aussi. Ça, c'est parti grâce à l'OFPJ, parce que s'il ne m'avait pas amené pour la première fois à Saint-Malo, peut-être que j'aurais commencé à exporter aux États-Unis comme plein d'exportateurs, peut-être que j'aurais fait autre chose. Mais le début de la collaboration avec Rossignol, il y a maintenant 13 ans, c'est grâce à l'OFQJ. Et l'OFQJ, après, m'aurait invité à faire... Ça n'a pas été qu'une seule fois. Ça a été vraiment plusieurs voyages qui ont fait en sorte que j'ai pu m'implanter sur le marché. Donc, et il y a quelques années, je vous dirais à peu près 5 ou 6 ans, j'étais même prête à ouvrir une boutique à Paris. Et j'ai fait des bébés à la place. Donc, ça ne marchait pas tout à fait bien les deux ensemble. Donc, ce n'est que partie remise. Et en ce moment, je bénéficie d'une stagiaire extraordinaire qui a à la fois de l'expérience dans la mode et dans le sport. Marie, qui doit être quelque part, je ne sais pas où elle est. Mais j'ai une très, très bonne stagiaire en ce moment qui est arrivée il y a une semaine grâce à l'OFQJ. Donc, ça a été vraiment une pièce importante dans toute la croissance de mon entreprise. On m'a dit que vous auriez peut-être des questions. Non? Non, normalement, les questions viennent après. On va garder les questions pour la période de débat. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Bonjour, je suis Sarah Canetti et je vais me présenter brièvement. Je suis arrivée à Montréal il y a 2 ans avec un PVT
Puis j'ai effectué un stage et un MJT, Mouvement des jeunes travailleurs avec l'OFQJ. Actuellement, je travaille au service des événements chez Manufacturiers et Exportateurs du Québec. C'est une association qui défend les intérêts des manufacturiers. Sa mission est d'améliorer l'environnement d'affaires et d'aider les entreprises manufacturières et exportatrices québécoises à être plus compétitives sur les marchés locaux et internationaux. Bonjour, je suis Cyril Brouillard, un entrepreneur québécois avec un drôle d'accent. Je suis président de Humaneos. Humaneos.com est une plateforme web qui vous permet d'engager à distance des travailleurs autonomes québécois ou des auto-entrepreneurs français. Grâce à l'OFQJ, nous avons l'occasion de devenir le partenaire officiel de l'Union des auto-entrepreneurs en France. Je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Kathleen Lemélinaire, je suis entrepreneur française, je suis secrétaire générale de La Ruche, qui est un incubateur d'entreprises sociales à Paris, dans le 10e arrondissement, et je suis ici à Montréal pour étudier la faisabilité de monter une ruche, ici, en collaboration avec l'Institut du Nouveau Monde. Lui, le Premier ministre, M. Héron, je suis très très heureuse de l'accueillir, ainsi que son équipe, les ministres qui sont là ce matin, saluer la ministre Mme Malavoie et mon adjoint parlementaire, Léo Bureau-Buin, qui est adjoint parlementaire à la jeunesse, dire merci à l'OFQJ d'avoir organisé cette rencontre ce matin. Moi, je vais vous dire le thème de notre rencontre alternée cette année, entre M. Héron et moi, comme première ministre du Québec, comme premier ministre de France, c'est l'entrepreneuriat, la créativité et la jeunesse. Alors, vous tombez dans le mille. Et je trouve ça passionnant de vous entendre, très sincèrement. C'est très rafraîchissant aussi de voir des jeunes qui, à partir d'une idée, ont créé une entreprise ou sont en train de se former pour éventuellement contribuer davantage à leur société. Moi, il y a une question générale que je poserais à chacun d'entre vous. Il y en a qui ont dit, c'est ce qui a fait la différence qu'on aille à l'OFQJ. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de passer par l'OFQJ, d'utiliser ce véhicule-là? Et l'un ou l'autre d'entre vous pourriez nous dire, c'est vraiment ça qui a, chez moi, déclenché le fait que maintenant, j'occupe cette fonction où je suis responsable de cette entreprise. Avez-vous goût d'y aller? Ericana? Ben écoutez, moi c'est le Conseil des métiers d'art qui m'a approché pour ce beau projet-là. Et c'était effectivement autour de la voile, autour de la culture, c'était des maîtres potiers, des verriers. Donc c'était très très beau comme projet, c'était très créatif. Et comme dans mon entreprise, on fait souvent beaucoup d'opérationnels, d'aller faire un peu de création. Mais ça a été ma porte d'entrée. Après j'ai eu le petit coup de main de ma copine qui m'a ouvert le bon marché. Mais je suis retournée 6 mois plus tard avec une autre bourse de l'OFQJ. Et là, j'ai ouvert toutes les Alpes. J'ai fait les plus grosses commandes que j'avais jamais faites à Chamonix, à Val-d'Isère, à Megève, à Courchevel. Et c'est encore mes meilleurs clients 13 ans plus tard. Donc, effectivement, peut-être que si j'avais eu une bourse pour aller aux États-Unis, c'est peut-être là que j'aurais développé. Mon cœur allait vers la France puisque c'est là que j'avais développé mes premières expériences. J'avais fait ma maîtrise à Milan, en Italie, tout de suite après mon stage au printemps à Paris. Mais puis après, même dans mon équipe, comme la mode est encore très nouvelle au Québec et que le luxe est encore plus nouveau, je pense que je suis une des premières marques à m'essayer dans le luxe. J'espère un jour avoir les retombées d'Hermès et compagnie, mais je pense que ma fille va devoir finir ce travail-là pour moi. Elle a juste 4 ans et demi pour l'instant, elle ne mettra pas trop de pression. Mais c'est certain que d'avoir ouvert tout le marché européen, parce que la France, par Paris, on ouvre les portes sur la Belgique, sur l'Allemagne, sur l'Autriche. Ça m'a ouvert toutes les portes de l'Europe et j'ai bénéficié de l'OFQJ à différentes entreprises. Bravo. Merci. Bravo, bravo. Merci. Peut-être un jeune Français pour nous parler de son expérience à cet égard. Bonjour. Oui, nous avons le plaisir d'accueillir Mme Héron de l'arrivée. Oui, moi je sais que donc nous très rapidement notre souhait c'était de partir rapidement à l'étranger parce qu'on a un produit qui concerne un tiers de la population mondiale, donc c'est le cas en France mais partout dans le monde. Nous un marché naturel pour nous c'était l'Amérique du Nord parce que c'est un pays développé et grâce à l'OFQJ on est ici aujourd'hui, donc c'est une vraie aide pour nous. C'est l'opportunité non seulement de rencontrer des grandes institutions, c'est l'ouverture d'un réseau aussi. Je sais qu'ayant fait HEC Montréal du coup on bénéficie du réseau de l'école aussi, mais c'est grâce à l'OFQJ qu'on a pu venir ici
à la fois pour l'hébergement, le transport, etc. Et ceux qui nous aident à organiser nos séjours. Voilà, donc c'est une vraie aide à ce niveau-là. Écoutez, vos témoignages sont très, très éloquents, et donc je trouve très, très émouvant aussi, parce que derrière, il y a toujours une idée, un projet. Et l'Office franco-québécois pour les jeunesses, c'est 45 ans maintenant, qui a été construit un peu sur le modèle de ce qui avait été fait entre la France et l'Allemagne, l'Office franco-allemand pour la jeunesse, dont nous allons fêter cette année le 70e anniversaire. Et ce qui est intéressant, c'est justement, après ces anniversaires, de rebondir, de se poser des questions et de se dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, et est-ce que c'est utile de continuer. Mais là, concernant l'Office franco-québécois pour la jeunesse, je crois qu'effectivement, il faut continuer. Mais ma question serait plutôt, à partir de votre expérience, par rapport à des projets que vous voulez développer personnellement et qui sont très divers, qu'est-ce que vous attendez que nos gouvernements fassent pour prolonger l'Office franco-québécois pour la jeunesse? Qu'est-ce qui vous paraît le plus pertinent de faire? Qu'est-ce qui voudrait être amélioré, justement, pour continuer à donner l'élan et la dynamique à des projets de jeunes? C'est une question, parce que nous avons besoin d'être éclairés pour décider. Moi, j'ai deux suggestions. Une, c'est quand on a de très bons stagiaires, c'est pas évident, après, de les garder plus longtemps. Et on sait qu'un 3 ou 6 mois, c'est à peine assez pour pouvoir commencer à leur donner des mandats très intéressants, très formateurs pour eux. Donc, 3 mois, 6 mois, c'est très, très court. Si c'était possible de pouvoir allonger ça, je pense que ça serait utile à la fois pour les stagiaires, à la fois pour les entreprises qui les reçoivent. Parce que maintenant, je fais aussi beaucoup de ce côté-là. Deuxièmement, il faudrait augmenter l'âge de 35 ans, peut-être un peu plus, éventuellement. Ça, je ne sais pas. Oui, ça marche. Il y a quelque chose qui... Moi, j'ai travaillé un peu dans la mobilité internationale avant à Rennes. Présentez-vous. Oui, pardon, je suis Yael Levert. Je vais me présenter tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Il y a quelque chose qui m'a surpris, c'était la qualification. Je pense que là, il y a beaucoup de gens qui ont un niveau de qualification assez élevé. Quelque chose qui serait bien pour redynamiser un peu ces échanges-là, ce serait les ouvrir à des gens qui sont moins qualifiés. Parce que tout le monde ne connaît pas forcément l'OFQJ, quoi. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Du coup, voilà, ça demande souvent beaucoup de budget de fonctionnement pour ce genre de structure. Voilà, c'est pas l'argent qui... C'est pas quantitativement qu'on va faire venir plus de jeunes, mais bon, voilà. Ces organismes-là ont besoin d'argent pour se faire connaître pour des gens qui ne sont jamais partis à l'étranger. Je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Voilà. Oui, par rapport à votre interrogation, je crois que c'est l'orientation qu'on a décidé de prendre au dernier conseil d'administration de l'OFQJ, de permettre aussi à d'autres qui n'ont pas un certain niveau de qualification de découvrir, je veux dire, l'importance de la mobilité internationale et l'importance, je veux dire, de notre office pour justement pouvoir construire son propre parcours quand on n'a pas la possibilité d'accéder facilement à ces dispositifs, de les connaître même. On les connaît bien dans des parcours institutionnels, on les connaît moins bien quand on est un petit peu loin, je veux dire, de ces parcours institutionnels. Donc c'est une orientation que l'on a prise ensemble il y a quelques semaines à Paris lors du dernier conseil d'administration. Est-ce qu'on n'a pas d'ailleurs un troisième groupe ou un troisième thème qui va porter sur justement des jeunes qui sont en insertion en emploi ou, c'est ça, donc qui ce volet auquel vous faites référence et qui, moi, je crois aussi, est très important à développer. Je vous en parlerai tout à l'heure. Juste bien fait. Peut-être une dernière intervention. Juste une petite suggestion, puisqu'on est sur les échanges de mobilité entre les jeunes France-Québécois. Étant donné que je travaille chez Manufacturier et Exportateur du Québec, je défends le secteur manufacturier et c'est vrai qu'il est très important de favoriser l'échange de la mobilité des jeunes au niveau du secteur manufacturier qui, on connaît tous les enjeux des manufacturiers au Québec avec la pénurie de main-d'œuvre. Et bien évidemment, en France, c'est très important au niveau de l'économie d'avoir le secteur manufacturier, un fort secteur manufacturier pour avancer dans l'avenir et être compétitif face à la concurrence mondiale. Donc peut-être essayer de voir aussi dans ce secteur-là s'il peut y avoir des programmes d'échange pour faciliter les échanges dans ce secteur. Merci beaucoup. Nous allons entrer maintenant dans la seconde thématique qui intéresse beaucoup Madame Marois.
ça m'intéresse. J'avoue que c'est une thématique que je chéris beaucoup parce que je me suis moi-même occupé beaucoup d'insertion des jeunes. Et j'ai remarqué pour des jeunes en difficulté que ça apporte des résultats vraiment magiques. Alors, on va rentrer dans le thème de la formation professionnelle et de l'insertion socio-professionnelle. On commence par un petit clip. Bonjour à tous, mon nom est Daniel Vézina. Je suis chef propriétaire des restaurants Laurie et Ravel de Québec et Montréal depuis 21 ans déjà. Ma relation avec l'OFQJ a débuté par un stage dans une grande table à Paris. Le restaurant Marius et Jeannette sur la rue Georges V qui existe d'ailleurs toujours. Cela m'a permis d'approfondir mes connaissances en cuisine avec des grands chefs français. C'est une expérience qui m'a apporté une grande ouverture sur le monde culinaire. Ça m'a aussi donné la piqûre pour découvrir d'autres cultures. En plus, ça m'a aidé à construire ma réputation au Québec. Merci à tous et longue vie à l'OFQJ. J'ai le plaisir de laisser la parole à vos porte-paroles au Québec, du studio Alpha Rococo, David Bussière et Justine Laberge. Alors, comme vous l'avez dit, David Bussière, Justine Laberge, on forme le duo musical Alpha Rococo et on voudrait présenter le volet qu'on a pu explorer de l'OFQJ, le volet de formation professionnelle et de réinsertion socio-professionnelle. Oui, alors la formation professionnelle de l'OFQJ nous a permis d'aller développer notre carrière musicale en France. Ça nous a permis, entre autres, d'aller jouer en 2008 au Francophonie de La Rochelle et de rencontrer beaucoup d'artistes aussi. Ça nous a permis de faire deux tournées en France en 2010-2011, de faire plusieurs premières parties aussi d'artistes français bien établis, tels que Zaz, par exemple, dans des belles salles comme les Zénith, devant plusieurs personnes. Et puis, ça nous a permis aussi de faire la promotion de notre musique dans des émissions de télévision et de radio, entre autres Le Fou du Roi, animé par Stéphane Bern. Et puis, le point culminant, je pense, de notre expérience en France, c'était notre participation au concert Le Québec prend la Bastille. Alors, c'était le 21 juin 2011 pour la fête de la musique à Paris. C'était une grande scène qui était montée sur la place de la Bastille. Alors, il y avait plus de 20 000 spectateurs qui étaient là, dont M. François Hollande, qui était sur place. Et puis, donc, il y avait 20 000 spectateurs qui brandissaient fièrement les drapeaux québécois et français. C'était un spectacle qui était presque entièrement composé d'artistes québécois. Donc, on pouvait vraiment sentir les liens culturels serrés qui existent entre la France et le Québec à ce moment-là, avec tous ces gens qui célébraient la musique québécoise. Alors, bref, l'OFQJ nous a vraiment beaucoup aidé dans toutes nos tournées à établir notre carrière en France, établir un beau réseau de contacts aussi. Puis la radio pendant 3 mois. Voilà. Bonjour, je m'appelle Sylvain Michel. Donc, je suis ici en stage professionnel dans l'agence Theatricus en tant qu'assistant communication. Et pour moi, c'est une première expérience pour pouvoir travailler au Québec dans mon domaine de formation. Merci. Montrant les volontaires français internationaux en entreprise qui sont ici au Québec et aussi dans le reste du Canada, qu'il y a beaucoup de jeunes très diplômés et donc j'ai le souci de cette diversification des parcours. Et là, nous avons quelques exemples qui vont dans ce sens. Mais il faudrait accentuer ça et j'ai une question. Comment avez-vous eu cette information que vous pouviez partir pour un stage ou pour mettre en œuvre un projet personnel grâce à l'Office franco-québécois pour la jeunesse? Qui vous a conduit? Par quel canal y êtes-vous arrivé? Parce que j'ai l'impression que ce n'est pas évident. Il y a peu de gens qui savent que ça existe, l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Et même pour l'Office franco-allemand pour la jeunesse, c'est la même chose. Il y a une espèce d'éloignement des jeunes qui pensent qu'ils n'y ont pas droit, qu'ils ne sont pas concernés. Alors, ceux qui se sont exprimés, par qui vous a mis en contact? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer ce contact? C'est encore une demande de suggestion que je formule ici. À nouveau. Alors moi, je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens ici. On a eu l'information par des connaissances qui ont eu une expérience avec l'OFQJ, c'est souvent comme ça. Ce qui rejoint un peu ce côté, quand on est éloigné, quand on n'est pas diplômé, par exemple, quand on n'est pas à l'université, on ne va pas forcément avoir cette information. Moi, je pense qu'il y aurait des choses à faire là-dessus sur la communication, aller vers les gens qui ont que un bac plus du tout. Voilà. Dans la foulée de ce que vient de demander M. Héroux, parce que moi, c'est une très, très grande préoccupation, d'abord, que de valoriser la formation professionnelle.
faire en sorte qu'on incite les jeunes à aller vers les métiers, que ce soit les métiers dans le domaine de la construction, que ce soit les métiers dans le domaine du vêtement, du design, peu importe. Et malheureusement, souvent, on n'a pas valorisé ces métiers-là. Est-ce que, par exemple, si on travaillait avec les écoles secondaires, dans notre école, là où se fait la formation professionnelle, ou avec, j'avais mentionné, c'est une organisation chez nous qui existe dans toutes les régions du Québec, les Carrefours Jeunesse Emploi. Est-ce que ce ne serait pas un canal, dans le sens de ce que suggérait M. Hérault, du moins pour nous ici au Québec, de nous assurer que plus de jeunes qui sont soit en insertion professionnelle, parce que c'est ce que font les Carrefours Jeunesse Emploi, entre autres, ou soit en formation professionnelle, puissent être intéressés à venir participer à des stages. Ça, c'est un. Deux, une curiosité. Est-ce que les différences culturelles vous ont beaucoup étonné ou vous avez été... constaté que vraiment il y avait une très grande différence ou que ça ne vous est pas apparu comme étant une barrière ou c'est allé de soi lorsque vous êtes arrivé soit au Québec ou des Québécois qui sont arrivés en France? Donc, justement, je travaille dans un Carrefour Jeunesse Emploi et nous avons un congrès à chaque année qui rassemble tous les Carrefours Jeunesse Emploi. Donc, justement, cette année, je suis allée parce qu'il y avait une formation au niveau de l'OFQJ qui parlait au niveau du travail et bon, tout ce qui était à l'étranger et des projets d'insertion. Fait que ça, je pense que c'est une bonne chose de faire connaître. Peut-être que pour les enseignants, pourraient avoir soit un congrès ou soit des formations ou bon, quelque chose de rassembleur, parce que moi aussi également, je travaille en animation, en persévérance scolaire, dans des groupes d'adaptation. Et justement, c'est qu'on fait des projets pour, oui, développer la persévérance, mais c'est d'apprendre d'une autre façon et aussi d'avoir d'autres choses de stimulants. Puis, c'est comme si on n'a pas l'impression de travailler, mais en fait, on travaille beaucoup, puis c'est tellement la fierté qui en sort de ça. Et nous, ben, c'est la force, c'est qu'on a gardé des liens un an après. Je suis en contact avec tout le monde et tout ça. Fait que je pense que vraiment, c'est de montrer un autre modèle d'apprentissage et un peu des compétences transversales, en fait, qui sont capables de pouvoir transférer dans d'autres choses. Le réseau des CGE, on y travaille beaucoup. Le Carrefour Jeunesse Emploi, pardon. Excusez-moi. Carrefour Jeunesse Emploi sont des partenaires naturels pour nous. On travaille beaucoup avec eux. Les jeunes français, j'ai pas eu la réponse. Par quel canal êtes-vous passé pour avoir cette information? Alors peut-être qu'il y a plusieurs canaux, plusieurs expériences. De partir à l'étranger, je me suis dirigée vers la mission locale qui m'ont redirigée vers une association où j'ai assisté à une réunion qui parlait de la mobilité, qui présentait plusieurs façons de partir à l'étranger partout dans le monde. Et moi, en tant que francophone qui ne maîtrise pas trop l'anglais, on m'a parlé du Québec et de l'OFQJ et c'est comme ça que je suis arrivée ici. Moi, je voulais aussi dire, en fait, moi, j'ai connu l'OFQJ via Internet, puisque j'ai fait des recherches, mais c'est vrai que je trouve que pour les étudiants, si l'OFQJ était présent sur certains forums, je pense que les étudiants ont beaucoup plus utilisé l'OFQJ, puisqu'on ne connaît pas forcément l'OFQJ, mais sur les forums étudiants, en fait, les étudiants y vont. Donc, ça permet à l'OFQJ d'avoir une ouverture. De plus, je profite de mon intervention pour dire que les départements français d'Amérique, ceux qui sont faits, voilà, la Guadeloupe, la Martinique, encore la Guyane. Géographiquement, on est proche du Canada. Donc, c'est vrai que là-bas, ce serait bien fait de promouvoir l'OFQJ. L'OFQJ a déjà un partenariat avec la région Guadeloupe, mais de façon générale, on est proche géographiquement, on parle français. Pourquoi pas venir au Canada pour une expérience à l'international? Merci. Merci. Le temps passe très vite. Il faut maintenant donc y aller sur le blog de la francophonie. Et j'ai le plaisir de laisser la parole au secrétaire général de l'OFQJ France, M. Frédéric Lefray. Merci. Comme le couple franco-québécois est un acteur majeur de la francophonie, c'est tout naturellement que l'OFQJ a mis en place des actions. Et d'ailleurs, depuis 6 ans, avec Alfred Pilon, on a initié plus d'une cinquantaine d'actions, dont une qui est très importante, qui s'appelle les tandems franco-québécois pour la francophonie. Donc un Français et un Québécois vont ensemble dans des alliances françaises en Amérique du Sud pour promouvoir la francophonie pendant 6 mois. Ça, c'est quelque chose de très important. L'année dernière, nous avons réussi à permettre à plus de 100 jeunes francophones, français et québécois de participer au premier forum mondial de la langue française avec le succès que l'on connaît qui s'est déroulé à Québec. Et la semaine prochaine, nous allons permettre
à 40 jeunes femmes, dont certaines sont ici, françaises, québécoises, mais aussi francophones, de participer au premier forum mondial des femmes francophones à Paris. Elles vont participer à une mission durant toute la semaine, mission qui va se terminer à Nantes vendredi dans le cadre du forum France Acadie. Et on était très contents à l'OFQJ pour boucler la boucle. Et je voudrais maintenant laisser la parole aux jeunes femmes pour qu'elles puissent vous expliquer comment la jeunesse francophone est dynamique. En mission de service civique à Québec pour l'association Québec France, et mon rôle est de promouvoir la mobilité québécoise pour les jeunes québécois donc en France. Bonjour, moi je m'appelle Roxane Kitani. Grâce à l'OFQJ, je suis en stage de perfectionnement ici au ministère des Relations internationales, de la francophonie et du commerce extérieur. Je travaille à Export Québec, qui est en fait la structure gouvernementale qui a des entreprises québécoises à exporter. Et je suis sur la section donc, des marchés européens. Voilà. C'est vachement près. Hein. Oui, mais moi je suis à l'épaule. Hein. Ouais. Voilà, je pose la première question. Oui, exactement. Voilà. Oui. Quel sens donnez-vous l'un et l'autre à cette visite dans les deux pays, dans des situations un peu différentes, la pression, C'est-à-dire que moi j'ai l'impression que parfois on se ressemble beaucoup quand on regarde les, par exemple les efforts budgétaires qu'on doit faire pour gérer nos budgets de façon responsable, être capable d'innover aussi et d'associer la société civile aux changements qu'on veut apporter. Je pense entre autres à la création d'institutions comme la Banque de développement économique du Québec qui ressemble beaucoup à ce que on veut faire en France, je vais laisser le Premier ministre vous en parler. Je crois qu'on peut apprendre l'un de l'autre, et c'est ça la grande richesse de ces rencontres alternées entre le Premier ministre de France et maintenant la Première ministre du Québec. Oui, ce matin à Radio-Canada, on m'a dit que vous êtes des gouvernements progressistes, gauche, Québec, France, et vous faites quand même une politique exigeante sur le plan budgétaire, sur le plan de la reçu, effectivement, on a plus de similitudes qu'on pourrait penser et que nous sommes confrontés à des problèmes similaires. Mais si nous faisons ce travail, et en particulier celui de la maîtrise de l'entreprise, ce n'est pas un but en soi, c'est un peu pour défendre notre souveraineté et donc investir et préparer l'avenir. Donc c'est notre responsabilité, c'est l'intérêt général qui exige de nous. Mais en même temps, pour ça, nous avons tout pour réussir. Et quand je viens ici pour cette 17e rencontre alternée au Québec avec Madame la Première ministre Pauline Marois, je vois que nous avons énormément de valeur pour nous aussi. Domaine de l'investissement, de l'innovation, de la création d'entreprises et d'emplois. Et c'est ce que j'ai vu hier soir à ce dîner avec le monde des entreprises. Je crois que les entreprises, les acteurs économiques, les salariés attendent des dirigeants politiques, des paroles claires, un cap clair et surtout une volonté de mobiliser. J'ai pu le constater ce matin en rencontrant les conseillers du commerce extérieur, même envie de gens qui veulent réussir et qui ont de la réflexion, une image positive. Il y a certes des pesanteurs et des réformes à faire, mais en même temps nous avons énormément d'atouts. Ici au Québec, bien, on rencontre effectivement un enthousiasme. Où est-ce qu'on rencontre particulièrement cet enthousiasme ? Dans la jeunesse. Cet échange que nous avons ce matin, à l'occasion du 40e, 5e anniversaire de l'Office de l'école de la jeunesse, nous avons des jeunes plein d'enfants, plein d'amants, plein d'envies, plein de projets. Il faut simplement leur tendre la main pour qu'ils puissent réussir à mettre en œuvre leurs projets. Ils n'attendent pas plus, ils attendent ce coup de pouce. Alors c'est vrai qu'ils ont révélé aussi qu'il y avait des exigences. Nouvelles, notamment les discriminations, les jeunes les plus éloignés de l'emploi, les moins diplômés, les relances, des problèmes. Ce que nous allons faire maintenant ensemble, c'est s'appuyer sur ce qui a marché, et surtout pour répondre aux défis d'aujourd'hui. Mais avec une volonté vraiment massive, je crois que, en revenant à Québec, en venant à Paris, j'aurai plus de conviction.
est nécessaire pour la France et si nécessaire pour la poursuite de nos belles relations. Monsieur le Premier ministre, ce matin, vous avez appelé les entreprises françaises, oui, les délégués du commerce extérieur, qui sont aussi des chefs d'entreprise, qui sont des délégués. Alors, quel est un petit peu, là, on connaît un petit peu le bâton de pèlerin pour permettre à la France de développer, permettre de réduire le commerce extérieur. Quel est un petit peu l'impact de réduire le déficit du commerce extérieur? Oui, absolument. Et quel est un peu l'impact de ce déplacement? Et puis, est-ce que je pense que bien entendu, il faut se donner des ambitions très fortes, mais on n'y parviendra pas si on ne mobilise pas les acteurs de la société. Et aussi bien les chefs d'entreprise, ce sont les salariés, ce sont les responsables, ce sont les chercheurs, ce sont tous ceux qui vont nous permettre de réussir. Mais ce qu'ils attendent, encore une fois, je l'ai constaté à travers mes échanges hier soir, ce matin, ils attendent des responsables politiques un cap clair, des objectifs clairs et qu'on explique mieux ce qui est en train. Vous voyez par exemple le pacte national pour la compétitivité et la croissance et l'emploi, c'est 35 mesures. Je les ai encore expliquées ce matin. Quand on explique, on n'est pas là. Quand on dit voilà les outils que nous avons mis en place, le crédit d'impôt, la banque publique d'investissement et beaucoup d'autres mesures encore, le crédit d'impôt recherche. Alors, nous avons en face de nous des hommes et des femmes qui ont envie de prendre leur part, qui ont envie de prendre leur responsabilité, de retrousser eux aussi leurs manches et de voir que les dirigeants politiques font preuve de volonté, de détermination, de clarté et donnent l'exemple. Donc si je suis venu ici, c'est aussi pour donner l'exemple. Pour ne jamais baisser les bras et dire que nous pouvons parfaitement réussir, c'est aussi une question de volonté et de courage. Madame Marouin, Monsieur Hérault, excusez-moi, j'ai juste une petite question pour revenir sur la position de la France par rapport à la politique, la fameuse politique dont on parlait de non-ingérence, non-indifférence. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Écoutez, vous avez résumé en ce qui concerne la France, la position de la France. Et elle s'était déjà confirmée au moment de la rencontre avec M. Hollande et Mounir, lorsque je suis allé en France. C'est ça qui est positif, c'est l'échange. Il ne faut pas unilatéral, nous sommes dans un monde ouvert. Je trouve que le travail, la responsabilité des dirigeants politiques, c'est aussi de faciliter aux jeunes veulent mettre en œuvre des projets, veulent découvrir aussi le monde, le nouveau monde en quelque sorte, dans lequel nous sommes. C'est pas simplement de l'autre côté de l'Atlantique, c'est le monde qui change, le monde de l'innovation, le monde des initiatives. Donc les jeunes aient envie de découvrir, je trouve ça plutôt rassurant. La force de. Réveil FM International, la première radio libre, démocratique et alternative de la République démocratique du Congo. Réveil FM International, la radio qui vous écoute.